Bonjour! Aujourd'hui, on va faire les nems au poulet. Enfin, demain, parce qu'il faut faire le jambon. Aujourd'hui, je vais pas vous remontrer la recette. Vous avez un lien au-dessus de la vidéo. Alors, celui-là, on va le faire au poivre vert. Le lendemain, on va faire cuire 75 grammes de riz dans de l'eau chaude du robinet. Ensuite, on fait chauffer de l'eau pour les champignons noirs. On en pèse 50 grammes. Ici, elles sont prédécoupées, mais si vous avez des entiers, pensez à les couper. Ensuite, il vous faut 170 grammes de carottes râpées. Quand ça bout, on met les champignons, on laisse cuire 10 minutes. Ensuite, il nous faut 90 grammes d'oignons émincés. Ensuite, on pèse les vermicelles de haricots mungo. Il vous en faut 120 grammes. Après 10 minutes, les champignons, on les rince. On les remet dans la casserole. On y ajoute les vermicelles. Ainsi que 3 verres d'eau. On met un couvercle et on fait cuire jusqu'à ce que les vermicelles soient cuites en rajoutant de l'eau si nécessaire quand il n'y en a plus. Pour ce qui est du riz, on le refroidit, on le met au frigo, on fait sécher la casserole. Puis on va caraméliser les 90 g d'oignons. En remuant régulièrement dans un peu de gras. Voilà pour les oignons caramélisés. On va les hacher grossièrement. Voilà, comme ça, ça ira. Une fois tempéré, on l'ajoute au riz carotte hein, qu'on met au frigo. Pendant que ça cuit, on mélange bien les vermicelles et les champignons. Pour les vermicelles, une seule façon de savoir si c'est cuit, faut goûter. Quand c'est cuit, on met dans un bac d'eau froide un quart d'heure puis au frigo. Ensuite, voilà mon jambon de blanc de poulet. J'avais mis un peu de fond pour que ça se colle la gélatine. Mais si vous l'avez pas mis, c'est pas grave. Donc on les mince. Je vais te préciser, j'ai pas mis les aiguillettes, je les garde pour faire des nuggets à chaque fois. Tout ça au couteau électrique. On tourne d'un quart la planche et on va faire des petits bouts là. Voilà, alors je vais tout mettre. Alors on met tout dans un grand saladier, un baquet. On mélange, on assaisonne, on goûte, on recommence si nécessaire. Je suis désolé, mon jambon maison ne peut pas être remplacé par celui du commerce. Pour faire cette recette, j'ai dû faire deux recettes de champignons noirs. Je vous les mets en lien dans la vidéo. Il vous reste à les rouler dans la feuille de brique. Comme ça, on la fera pas frire comme les feuilles de riz. Puis on les dorera à la poêle à crêpes sans gras des quatre côtés. Il faut encore faire ma sauce gnocchman. Et on peut servir ses nems avec une salade verte. Et voilà, bon appétit !